Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zotatella pour parler de cuisine, notre pays, La Réunion, la cuisine, ça que nous fait ici aujourd'hui, on prépare à Zot des crevettes à l'indienne, ou si Zot y veut, des crevettes à la façon réunionnaise. Va falloir nous des oignons que nous va couper en tranches comme ça, et nous va passer un petit coup de couteau en plus dessus pour faire revenir les en petits cubes s'il est possible. Si Zot a envie de faire ça comme ça, les plus pratiques aussi. Donc on va prendre les oignons, les gros piments, les piments achats, on appelle ça ici, hein, donc les assez forts quand même, surtout comme il dit souvent, si Zot là casse ces bonnes piments là en pleine période de l'été. Va falloir nous aussi des oignons verts, les oignons verts que nous on serve dans la cuisine pour un peu toutes sortes de qualités à faire. Il donne un assez bon goût. Et puis, il est bon quand même, comme il dit, dans la recette. Va falloir nous aussi, pour ce recette-là, de la coriandre. Je veux dire, moi, il aime la coriandre, mais la coriandre est très agréable en bouche. Et puis, il a des propriétés médicinales. Très bon pour la santé. Et puis le piment, il est bon aussi pour le piment et la coriandre aussi, il est bon aussi pour les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, des maladies de cœur, tout ça. Les affaires, elle est assez bon pour le corps. Alors, comme il dit souvent, il faut toujours prendre notre temps pour faire ces bonnes recettes-là. Zot va voir qu'elle n'est pas compliquée. Et puis, beaucoup de personnes vont dire moins que ce recette-là, elle est assez fort quand même. Elle est assez piquant, non pas trop, parce que les piments que nous utilisons la plupart du temps, nous enlèvent les graines en dedans pour pas qu'ils deviennent trop forts. Et puis le red chili, le piment en poudre rouge que moi l'ai utilisé en dedans, moi l'ai pas mis beaucoup justement pour pas poire azot, pour pas poire azot bouche. Va prendre des tomates que nous va couper comme Zot y voit là, finement. Il faut pas laisser trop en gros morceaux parce que pour cuire après, elle est assez compliquée. Et comme il dit Zot souvent, moi ce que m'y fait en cuisine, m'utilise toujours le feu vif assez fort. C'est pour saisir les aliments, si ça tu veux, mais aussi pour avoir une cuisson assez rapide. Hein. La chaleur, il tape bien comme il faut dedans. Dans une grande marmite, nous allons mettre un peu d'huile dedans. Nous allons mettre des crevettes qu'on nous va faire revenir. Pas trop croustillant quand même, parce que les crevettes, à chaque fois, nous les autres, les crevettes ont tendance à devenir un peu en lactique et elle n'est pas trop agréable à mâcher. Donc, juste faire revenir de façon que lui rende un peu ses arômes, là, son jus là, lui rentre dans l'huile comme qu'il faut, et nous va utiliser justement cette huile là pour la préparation des épices qui vient par derrière. Alors quand les crevettes, les comme ça là, tu vois que lui frite bien, il faut que frite un peu quand même, je veux dire pas trop frite, mais il faut que frite juste ce qu'il faut. Nous va réserver ce crevette là dans un récipient à part, nous va prendre à lui, nous va enlever tout ce que Nina en dedans. Pour pas que lui continue à cuire dans la sauce que nous ça va préparer, la sauce avec de l'ail, avec du piment en poudre rouge, des oignons, des tomates, des piments achats, gros piments, de la coriandre et aussi des oignons verts. Alors, on va mettre aussi des oignons entiers aussi dedans. Les gros oignons, ils donnent aussi un bon goût dans l'affaire. Quand on a fini de faire revenir comme ça les affaires, on va ajouter, on va ajouter les oignons à l'intérieur. Alors, même que Nena beaucoup, il paraît que Nena a beaucoup d'huile, hein, donc n'a pas si tant d'huile que ça. Hein, donc, c'est juste ce qu'il faut pour faire revenir les bonnes épices dedans. Que des fois, on a des gens qui disent oh, faut pas mettre l'huile parce que mettre trop l'huile dans le curry, tout ça là. C'est une politique que Kobana il fait, une politique de dire nous mange trop gras, nous mange trop sucré, nous mange trop salé. Mais moi, ce que m'y dit, il faut que nous mangeons juste la quantité qu'il faut pour pas avoir des problèmes de santé par la suite. Vous avez vu, on va mettre les oignons à l'intérieur, on va faire revenir les oignons et on va faire revenir en même temps les gros piments à l'intérieur. Moi, comme il aime assez épicé, moi, elle laisse les petites graines dedans, c'est ça, et qui contient la capsaïne, et la capsaïne, c'est ça qui fait que le piment est fort. Alors, si je t'aime pas trop quand il est fort comme ça, je t'enlève les petites graines à l'intérieur,
donnera le goût que du piment. Quand on lui a fini revenir comme ça, les gros piments, surtout, faut pas trop faire cuire, hein, juste ce qu'il faut. Et comme ils disent souvent, mettre le feu assez fort. On va mettre de l'ail à l'intérieur avec du gingembre. Ce qu'il faudrait faire avec l'ail, pas ajouter de piment. Parce que des gens vont me dire, mais ajoute un petit peu de piment en plus pour ça. Et non, parce que sinon ça sera trop épicé, sera trop fort, ça ne viendra pas vraiment manger. Moi, il va ajouter aussi un peu de red chili, là, le piment rouge en poudre que nous trouve en Inde, tout ça là. Mais avant d'ajouter ça, il va ajouter normalement les tomates à l'intérieur et faire revenir bien comme qu'il faut. Et nous peut ajouter, voilà, avant d'ajouter les tomates, on va ajouter un petit peu de red de chili dedans, piment rouge. Hein. Donc, tu peux ajouter les tomates avant parce que des fois, il risque à piquer un petit peu le nez quand on nous met à lui juste là avec la vapeur, l'ardeur. En règle générale, il faut faire comme ça. Hein. Donc, il faut mettre soit les tomates, soit le red chili. Bon, on va mettre le red chili avant. C'est pas un problème, et on y ajoute les tomates juste après. Il ne faut pas trop laisser le piment en poudre rouge trop chauffer dans la marmite, parce que pour faire la cuisine, après il faut avoir une bonne hotte aspirante pour aspirer toutes ces bonnes vapeurs-là qui risquent de chatouiller un peu les narines. On y ajoute un petit peu d'eau chaude à côté, hein, vous savez comment on y fait la plupart du temps, hein, on n'y ajoute pas de l'eau en entier, grande quantité. Et comme en règle générale, il ne faut pas trop ajouter de l'eau dedans, mais moi, je m'y ajoute un petit peu, vu que les tomates, la plupart du temps, c'est des tomates, même des tomates cultivées dans les champs, la chair est un petit peu sec, hein, donc c'est un petit peu pareil, les tomates que nous trouvons dans les serres. Voilà, nous fait cuire bien les tomates, hein, parce que les crevettes, les déjà assez cuites. Nous mélange bien jusqu'à temps avoir les épices bien cuits dedans. Même que le piment il cuit un petit peu plus, il n'est pas gras. Tu vois, le piment il sec un petit peu et il parfume bien le sauce tomate. Quand on a fini, arrive à ce stade-là, nous ajoute jusqu'à l'eau pour cuire un petit peu et puis on ajoute un petit peu d'eau et on va ajouter les crevettes à l'intérieur. Alors les crevettes, quand on nous ajoute à l'intérieur, il ne faut pas trop tarder, hein, il ne faut pas achever cuillalu. Quand on a fini d'ajouter les crevettes, nous va ajouter juste après, voilà, on nous ajoute les crevettes et après on va ajouter les oignons verts à l'intérieur, on va ajouter la coriandre et nous va tout en alu et il est juste bon pour mettre à terre vu que la sauce tomate est déjà cuite et les bonnes crevettes les déjà cuites. Alors c'est un plat, comme il dit, nous peut manger à lui avec du riz tel que c'est. Les gens, ils peuvent manger à lui avec le pain. Ou sinon ça, tu peux mettre un bon caripois à côté, il passe très 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 bien. Et nous, on a quand même pas mal de légumes dans notre bon jardin ici à La Réunion. Et les légumes traditionnels que nous trouvons, nous peut manger ça avec. Voilà, une recette très simple, facile à faire. Comme il y a vite Azote, hein, si Azote a envie de faire, ne pas hésiter. Merci Azote, merci Azote toute, midi Azote, tiens beau serré, largue pas, reste bien sur notre chaîne Créoleur TV. Si Azote y aime la vidéo, je peux mettre un petit pouce dessus pour encourager à nous, partager la vidéo et tout ça pour la pérennité de affaires. Merci Azote encore, on y retrouve.